Ça, c'est pas le bruit que vous pensez. Ça, c'est le bruit de la tôle froissée. Votre drogue. Salut tout le monde, je m'appelle Stéphane Larson. Yeah! Et bienvenue dans BeamNG. Ils ont sorti une mise à jour, ok? Je l'ai découvert en live lundi. J'ai pas le choix d'en faire une vidéo. C'est la Alpha 0.10. C'est la première mise à jour où ils ont énormément modifié le moteur de son du jeu. Ils ont changé. Vous êtes prêts? Vous êtes habitués à du BeamNG sur ma chaîne, d'accord? Donc, attention, on fait Start Engine. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Écoutez. Les sons qu'ils ont faits dans cette mise à jour sont impressionnants en qualité. Et au niveau du comportement du son aussi. Ces gens-là, là, ok, je veux dire, l'équipe qui développe ce putain de jeu devrait aussi travailler sur Minecraft. Ils comprennent comment ça fonctionne, eux, quand ils font des updates. Ok, je veux dire, même le Père Noël est jaloux de la liste, d'accord, de changements. C'est juste incroyable. Vous êtes prêts? Je vais juste désactiver le Electronic Stability Control, d'accord? Attention. Oh! Oh! Oh, give me that! Oh! Je vous disais de la drogue, bordel. Oh, c'est bon! Ça m'a rappelé le drift dans ma vidéo, mon vlog. Mon vlog que j'ai fait sur la drift. Putain, si vous avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Je crois que c'est une de mes vidéos où je suis le plus fier. Change de voiture, il faut que je vous montre un truc. D'accord. Attends, je vais prendre une voiture de police. Est-ce qu'ils ont ajouté le son des gyrophares? Ça, j'ai pas testé par contre. Attention. Attends, non, ça, c'est des lumières. Attends. Ah, ils ont. On va le faire avec notre bouche. Oui, 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 oui. Donc, il me vient une idée. Vous êtes prêts? Ah, elle est automatique, celle-là. D'accord. On a un son différent pour celle-ci. Donc, si je veux dire, ça reste quand même une voiture à la base ordinaire. Ce n'est pas une voiture de performance comme l'autre voiture d'avant. Donc, c'est normal. Et chaque voiture, ou presque, ont leur moteur, leur son propre à eux. Et ça va changer dans le futur. Je vous mets un petit Gavril comme ça, V8. Le son, je veux dire... Ça sonne comme ça dans la vraie vie, un camion. Écoutez. C'est vraiment bien. Même quand tu changes de vitesse entre un modèle manuel et un modèle automatique, il y a... Ouais, je veux dire, par contre, t'es pas supposé cut-off comme ça avec un modèle... À moins que c'est parce que t'es un modèle sport. T'es peut-être un peu plus dynamique au niveau du changement de vitesse, va savoir. Donc, je vais juste aller un peu plus loin. À peu près ici, ça devrait faire le travail. Ouh! Oh! 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 C'est... Oh! 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 J'ai bien aimé le... Le dernier... C'est ça que ça fait quand tu rebondis sur ta propre suspension à la fin, d'accord? Donc, ok, je retourne le truc parce que je vais vous montrer ce que je voulais préparer. Vous allez voir, c'est de la folie. Donc, je vais faire apparaître un camion. Un rouge. Le rouge, il est joli. Donc, spawn new. Il va aller juste à côté. Dans les buts... Non, ok, d'accord. Bon, alors voilà le concept. On a le semi-remorque qui est juste ici, ok? Donc, tous les fans de semi-remorque vont vraiment aimer ça. Et là, sur le coup, la première fois que j'entends le son du moteur, je me dis... pas convaincu. Juste quand on écoute le idle comme ça. Et là, je sais pas, on dirait que ça... Mais quand il commence à forcer... Quand le camion commence réellement à avancer... Là, on parle de d'autres choses. Écoutez bien, d'accord? Vous êtes prêts?
ça sonne comme un vrai! Oh, merde! Et j'adore les semi-remorques! Et là, quand j'entends ce bruit doux dans mes oreilles, c'est du eargasme! On revient à notre camionnette, alors on va changer de voiture et ils ont aussi changé le menu ici, donc beaucoup plus intuitif pour changer le powertrain si on veut le mettre 4x4, si on veut le mettre manuel, automatique, bref, il y a un paquet de trucs là-dedans. L'intelligence artificielle n'a pas changé, je trouve ça dommage. Il devrait, je trouve, consacrer une mise à jour juste pour ça. Par exemple, mettre un mode derby! Il me semble que ça serait la moindre des choses d'avoir un mode... Ce jeu a été conçu pour du derby. Il me semble, du moins. On va aller avec le Detective Special. Je crois que ça va être quand même plutôt intéressant. Je vais aussi éteindre le son comme ça. Je sais pas. Il me semble que je l'ai pas essayé. Non, j'ai pas essayé le Detective, mais j'espère qu'il sonne bien. Écoutons. Ah, ça semble pas si mal. Donc justement, par là... d'intelligence artificielle, on va utiliser le menu et là on va faire Chase Me. Alors là, normalement, au moment où on se parle, le semi-remorque qui est là-bas est en train de faire vrombir. Putain de merde. Du coup, je laisse le temps au camion d'arriver à grande vitesse. Eh, ok, là c'est à mon tour. Donc, ok, bref, ouais! Ouais! Le son d'un V8! Comme... Holy fuck! D'accord. Oh! Oh, le face-à-face de la mort! Oh! Woo! Oh, putain! Oh, j'adore... Oh my god! Le moteur est presque venu... Ok, on se calme, le camion. Putain de merde! Le mec est en train de faire une crise d'épilepsie derrière le volant. Ah, ça c'est la caméra... Oui, c'est la caméra cinématique. Je pourrais peut-être essayer de l'utiliser. On va voir ce que ça donne. Attention, c'est parti! Ouais, ça va être dur de piloter, putain! Tu changes trop souvent de plan de caméra! J'arrive pas à suivre! Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Comment tu veux que je pilote? What the fuck? Elle va tellement vite que j'ai peut-être la chance... à l'intérieur. Oh, même le son à l'intérieur est beaucoup mieux qu'avant. On entend le bruit du vent et tout. C'est génial. Attends, Chase Me, vu que je suis rentré dans un arbre, peut-être que le camion a perdu le contrôle? Qui sait? Putain... Mais qu'est-ce qu'il fout, le camion? Oh! Oh! Mais qu'est-ce qu'il faisait? Merde! Wow! Eh ben, est-ce que cette petite Honda Civic, on va l'appeler la Honda Civic, voilà, même si elle a une roll cage, prêt à faire de la course, va réussir à... Non, y a aucune chance. Le camion arrive. De toute façon, je vais probablement arriver à peu près à 100 km/h dans sa tronche. Oh, que le camion arrive! Il y en a plus. Est-ce qu'on se ferait une poursuite policière? Je crois que ça pourrait être drôle. Donc, je croyais qu'elle était aussi performante que celle qu'on a essayé au début, mais... Non, on dirait qu'elle est... Elle manque un peu de punch. Donc, du coup, ça va peut-être être serré, ou peut-être que je vais réussir à l'assumer. Attention, on va tester. Alors, elle retourne dans sa voiture, comme ça, aller faire ses papiers. Et là, moi, j'en ai marre. Je me dis, putain de merde, elle va pas me faire chier encore bien longtemps, cette salope. Attention. Et là, je suis là, là. Et là, il me regarde avec ses yeux à travers son pare-brise. Est-ce qu'il va s'en aller? Est-ce qu'il va s'en aller? Est-ce qu'il veut vraiment enclencher une poursuite policière? Et là, moi, je m'en vais dans le menu faire Chase Me. Et après, je suis dans la merde parce qu'il va me rentrer dedans avant même de... Oh non! Non, le fail! Ok, come on! Elle m'a vu venir! Nos roues font l'amour! Lâche mes roues, putain! Oh non! Fuck, je m'en vais dans le boisé! Sa roue est défoncée! C'est parti! Oh shit, je crois qu'elle me rattrape! Oh, je l'entends derrière moi! Ah! C'est bon! Ok, je crois que je suis en train de l'assumer! Mais putain, c'est un tonne de merde ce véhicule! Oh! Par contre, elle est là, le stability control. Ça veut dire que moi j'ai pas ça, ok? Je veux dire, je suis complètement stock.
Alors à pleine vitesse comme ça, les chances que je perde le contrôle de ma voiture sont immenses. J'ai bien hâte de voir si... Fuck! Merde! J'essaie de me sauver! C'est comme ça que la police arrête un bandit. Elle te rentre littéralement dans le cul, ok? Tu vois cette bouteille? C'est comme si tu tombais dessus, assis. Tu vois, c'est... Surprise! Là, on va faire une situation de road rage. Mais, on a la même voiture. Seulement, celle-ci est wagon. Les deux sont all-wheel drive. Ça, c'est de la bagnole, tu vois. Donc, attention, c'est parti. Et là, c'est là qu'on va vraiment voir mes skills. C'est pas toujours évident. Alors, attention. Chase me. C'est parti. Oh non, merde. Merde. Attends. Je veux juste faire comme ça, je l'enlève. OK. Après, je le réactive. Come on! Avance! Oh! Elle a une longueur d'avance. Elle va me rattraper. Non! Oh! OK. Donc là, j'ai l'assistance qui me permet d'éviter peut-être de déraper et de finir dans un arbre. Et je dis ça et c'est là que je m'en vais. OK. D'accord. J'ai juste un flat. C'est bon. On peut continuer. Je crois que je vais arriver à semer cet enfoiré. On ralentit. Oh! Il y a une chance que je suis en wheel drive, bordel. Attends, je vais me mettre à l'intérieur, comme ça j'ai le GPS qui va m'aider à me dire dans quel... Oh! Oui, tout à fait. Absolument. Oh! Il a un peu plus de talent pour que moi. Allez, amène-toi! Amène-toi que je fasse la finale de cette vidéo. Voilà! Wouh! C'est parti! Alors, c'est la fin de cette vidéo, mes amis. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires quel est votre moment préféré de la vidéo. Et vous pouvez regarder dans la description, il y a un paquet d'informations. Come on! Oh, attends, il y a une autre route. Il y a une autre route ici. Allez, come on, j'y vais. Allez, descends. Yes! Bon, là, c'est plus du Fast and Furious, mais c'est du James Bond. Allez, come on. Putain, voir que dans la réalité, une voiture pourrait passer ça. Ça ferait longtemps que j'aurais appelé une dépanneuse, putain. Oh, vous avez vu l'état de ma roue arrière? Oh my God! Ça aurait pris le Jeep pour ce moment. Donc, je vais m'en garder pour un prochain épisode. Voilà, c'est ça que ça ferait dans la réalité. Bordel. Ah! L'autre voiture était derrière! OK! Là, c'est vraiment la fin de cette vidéo! Au ralenti, on met ça tout en beauté, voilà.